la remise du prix cadeau du roman que nous sommes heureux de pouvoir remettre à nouveau cette année. Je pense à Gaël Joss pour les heures silencieuses, Francis Perrin, très très beau livre d'ailleurs, pour les bouffons du roi, où il parle en particulier de Triboulet, le fameux bouffon du Henri IV. Et puis, celui qui est notre lauréat aujourd'hui, proclame notre lauréat, c'est Patrice Decomte, qui est aussi zoomé là. C'est un livre qui est je pense en particulier au Marie la coiffeuse, je vais le suivre, ils sont pour moi de plein de récits, quel film je vais lire, qui est pour la société de certains. C'est son roman, il est à la fois de l'humour de fantaisie, de sérieux et avec des points de satire. Il se passe en Normandie, peut-être les conditions sont un peu cinéma-là, la vie pour aller il y a 2 ans, François Cireza, pour les constats de Staline, qui se passait à l'Irak. Et là, le livre devient, à mon avis, parfaitement le c'est un livre qui nous a vraiment littéralement enchanté. Il y a eu plusieurs cours de scrutin, mais on s'est très vite, en discutant beaucoup, bien sûr, on s'est très vite orienté bien sur Patrice Decomte, parce qu'il correspondait parfaitement à notre aura, à l'aura de ce prix. Il s'appelait comme un intérêt assez particulier, qui se voulait l'été, le prix de cette volonté. J'ai reçu le prix de
la brasserie du Astier. La brasserie du Astier est située en haut de la rue de la mer, à droite, lorsque vous descendez. Tout à l'heure, la prise de compte, d'ailleurs, nous sommes vers la brasserie. Il se rendra et a accepté gentiment de se rendre à cette brasserie pour associer le prix à la brasserie. Je ne change pas. Par contre, le chèque de 500 euros qui est du prix. Et enfin, M. Delage du Grand Hôtel va remettre les 2000 personnes qui sont venues.